Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici ensemble dans cette prière du soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Amen. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons ensemble nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen.
Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Amen. Écoutons les lectures de ce soir. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs, ni de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge, l'Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je fuirai voir mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Première lecture, lecture du deuxième livre des Rois, chapitre 9, versets 1 à 16. Les rois d'Israël et de Juda tués par Zéhu. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, « Saint Érin, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Zéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête, et tu diras, « Ainsi parle l'Éternel, je toi, roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte, et tu t'enfuiras sans t'arrêter. » Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, « Chef, j'ai un mot à te dire. » Et Zéhu dit, « Auquel de nous tous il répondit, « À toi, chef. » Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je toi, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Achad, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs
les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Achad périra. J'exterminerai quiconque appartient à Achad, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai la maison d'Achad semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bachia, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jirel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, « Tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? » Jéhu leur répondit, « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent, « Mensonge. Réponds-nous donc. » Et il dit, « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel, je toi, roi d'Israël. » Aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, « Jéhu est roi. » Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Ô Joram et tout Israël défendirent Ramoth en Galade contre Hazael, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jirel, des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazael, roi de Syrie. Jéhu dit, « Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jirel. » Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jirel. Quand Joram y était alité, et Achajia, roi de Juda, était descendu pour les visiter. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 1 à 26. Départ de Paul pour Rome, navigation et naufrage. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Atramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, Macédonien et Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lucie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrine, y allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snite, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Bopo, près duquel était la ville de Lacé. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Aux hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. » Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le pont n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regorge le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils lèvent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux
impétueux qu'on appelle Eurakion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et, dans la crainte de tomber sur Sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on nous laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Aux hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir en Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, mais il aura de perte que celle du navire. » Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, aux hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Parole du Seigneur. Tu viens, Seigneur, encourager. Tu viens guérir. Tu viens nous relever. Tu viens nous remplir de ta joie, de ta paix, de ton amour. She
avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit nous guide dans cette méditation de sa parole. Amen. Paul dit, « C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Nous voyons cela dans Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 25. Pour la petite histoire, mes chers amis, Paul était en chemin pour Rome, via maritime, pour être jugé devant l'empereur César, selon le plan de Jésus pour lui. Ce plan que nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 11, qui nous dit « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Fin de citation. Il se trouvait donc dans un navire nommé Adramite. Nous voyons cela au verset 2 de ce chapitre 27 des Actes des Apôtres. Il avait beau avertir le centenier de ne pas continuer la navigation, tellement c'était dangereux à cause du mauvais temps. Nous voyons cela dans verset 10. Mais ce dernier, c'est-à-dire le centenier, écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Dans verset 11. Si bien que ce qui devait arriver arriva. Et Paul leur disait, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Dans verset 21. Fin de citation. Puis Paul, au milieu de tout cela, les exhorta tous à prendre courage en disant, « Maintenant je vous exhorte à prendre courage. » Car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Voyons cela au verset 22 jusqu'à 24. Fort de cette parole du Seigneur, Paul leur a rassuré à son tour en disant « C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. » Encore une fois, c'est écrit dans verset 25 de ce chapitre 27 des Actes des Apôtres. Que pourrons-nous tirer comme leçon de tout ce qui a été dit? D'abord, Dieu voit tout ce qui se passe autour de nous. Rien ne lui échappe. Il a tout sous son contrôle. Il voyait ce qui se passait autour du voyage de Paul. Et en plus, il donnait déjà la solution pour s'en sortir. Mais il laisse le libre choix aux hommes de suivre ou non cette solution qu'il avance. Ensuite, que nous le voulions ou non, ce que Dieu préconise se réalisera. Dans Psaume 91, il promet protection totale pour ceux qui l'aiment, et je suis sûr que là-dessus, beaucoup en pourraient témoigner. Puis, le monde a grandement intérêt à écouter Dieu. Sa parole, il nous la donne à travers ses serviteurs, hommes ou femmes, qui soient en bonne relation avec lui, comme Paul l'a été. Dieu aussi nous parle à travers sa Bible, et si nous daignons l'écouter tous les jours, nous l'entendrons, par l'aide du Saint-Esprit, nous parler. Enfin, le monde, petit à petit, va où Dieu l'a prédit. Ouvrons nos yeux. Raison de plus de croire en lui et de nous préparer,
car la fin des temps approche à grande vitesse. Il en sera comme Dieu l'a dit. Amen. À nous prier le Seigneur. Dieu, nous Papa qui dans les ciels, nous remercie-toi pour tes paroles. Nous demande-toi, mets en nous un cœur qui tout le temps envie guetter tes paroles, qui tout le temps capable de croire en sa la parole, bon Dieu là. Donne aux bons serviteurs la sagesse de suivre toi tous les jours. Au nom de Jésus, nous Seigneur. Amen. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him and see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. De Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Amen. Prions pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Prière d'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance dans la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service, et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile, et donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Ici donc prend fin notre prière du soir, mais écoutons, avant de nous séparer, ce dernier chant. Reste avec nous, Seigneur.
Please.